Ouais, moi je trouve que Kamel, il se débrouille pas mal aux interviews, là. C'est super, bien fait. Allez, il faut absolument garder cette séquence, elle est merveilleuse. Ah ouais, je suis vraiment d'accord avec Mohamedi, il faut la garder pour le film, la séance. Hein. Ouais, t'as vu quand le vieux lui a découpé, il a bien fait de la garder seul, tout ça. Oh, vous avez fait ça? Oh, on avait ça à Rue Neuf. Je suis Kamel, je suis marocain. J'aime vivre, j'aime danser, le reggae surtout. J'aime bien me marrer comme tout le monde. Cet été, normalement, on devait faire un film avec des copains. Mais pour des raisons drôles, je me suis retrouvé ailleurs. J'ai pas pu continuer avec eux. Réussi à le voir depuis le temps que je t'attends. Oui, je l'ai vu. Mais il est complètement déprimé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est grave? Cette fois, il est dedans, quoi. Ce qu'il a fait, on l'accuse, quoi, disant qu'il a fait un coup de sac. Et puis, il a un antécédent d'enfant de juge et... Enfin, si tu veux... Bon, on peut faire quelque chose. Ce qu'on peut faire, si je veux aller voir l'avocat, c'est tout ce que je veux, quoi. C'est tout. Et bon, il faut pas que tu t'énerves, mais moi, il faut absolument que je m'en aille parce que ça fait une heure que je t'attends. Oh, toi, et je suis en retard. Avec toi, Marina, c'est toujours la même chose. Il faut que j'y aille. Tu changeras pas, toi. Allez, on y va. Tu me déposes n'importe où, ok? Ça y est, ça y est. Regarde, quel con. Près de Breda. Clipper. À Breda. C'est le... Monsieur, c'est ce que j'en ai à faire ici. Oh, et quand tu sors d'une tôle, quand tu veux être content? Comment tu sors d'une tôle? Tu veux être heureux, bonne humeur, venir rigoler avec vous. Qu'est-ce que t'as été foutre en tôle? Ce qu'on adore. On pose encore la question. C'est normal. Le Kamel, il était bien avec vous, non? Oui, oui. Il était avec vous. C'est pas ensemble. Ouais, bon, lui, il est dedans et vous. C'est con pour Kamel, mais. Écoute, Mustapha, je sais que c'est vache pour lui. S'il est dedans, c'est pas le premier et c'est pas le dernier. Et toujours la même chose, il n'y a rien qui change. Écoute, nous, on a envie de faire un truc positif sur le gars du quartier. Et lui, il est pas du quartier, sans doute. Il est des quartiers, il est plus là. Que ouais. Veux-tu aller? Tu vas aller voir les avocats? Je sais pas, là, ça va pas. Il est dedans, il est dedans. Nous, ce qu'on va faire, on doit terminer ce film. On est presque à la fin, on doit le terminer. Et ça, c'est utile pour Kamel, quoi. C'est
ça va l'aider, mais pas de cette manière-là pour moi, tu vois. Non, c'est pas faire autrement. Vous savez pas faire autrement, je comprends bien. Vous voulez rien foutre pour lui, c'est tout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je comprends bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? On va l'aider. Alors, tu sais ce que tu fais, hein ? Tu prends, bon, quand vous aurez fini ce truc-là, tu prends ta petite télé et ton petit machin et tu vas chez les gens. Bon, voilà ce qu'on a fait sur la deuxième génération. Du positif. Regardez, c'est terrible, c'est super. Et pendant ce temps-là, le mec est complètement dedans. Ça va, ça va. Il y a encore une fois que tu dans la maison. Pour le moment, c'est j'ai quelques revêtements, alors je suis un peu préoccupé des trucs. Alors, à part ça, la fête, quoi, ça s'annonce super bien. Quoi. C'est chaud. Toi, tu t'occupes de la bouffe. Hein. Ouais, c'est super. Je compte sur toi, c'est pour 60 personnes. C'est... Même pour 120 personnes, moi, je te fais un couscous, tu sais. Ouais, ok, ça va. Et si tu veux, je peux même te faire du waterzouille. Hein. Ouais, ouais, allez, ouais, salut. Ça va. Allez, ouais, ok. Couscous. Toujours du couscous. Rien que ça. Kamel, pourquoi t'as fait le con ? T'avais un boulot, des projets avec les amis. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Merde, je n'arriverai jamais. Je vous en prie, entrez. Merci. Asseyez-vous. Merci. Alors voilà, le très grand problème de votre ami, c'est que dans la situation où il est très difficile d'obtenir moins qu'un an de prison. Alors on va essayer, et on va essayer de faire valoir tous ces témoignages qui me viennent sans arrêt sur lui. Et on va essayer à nous deux de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais il faut que vous compreniez la gravité de sa situation. Si je comprends bien, mon copain, il doit passer de la tour, quoi. Oui, moi, je crains bien que... Je crains bien un minimum d'un an, et ce que je crains aussi, c'est que les faits pour lesquels il a déjà été condamné, il a eu un sursis, ce sursis va tomber, il va devoir faire ça en plus. Mais ce qui est le plus grave en ce qui le concerne, je suppose que vous le savez, c'est qu'il risque l'expulsion. L'expulsion. L'expulsion, oui, parce que ayant été déjà condamné à une lourde peine dans le passé, avec sursis, maintenant il va avoir une peine ferme et il y a le caractère quasi automatique de l'expulsion. Je suis à peu près certain que le ministre demandera son expulsion. Enfin, mais c'est pas possible. Bon, en fait, il a passé, bon, il paye sa dette. La même chose qu'un buzz. C'est vrai, c'est une deuxième punition qui va tomber sur lui. Qui risque de tomber sur lui, en tout cas. Enfin, lui, quand il était jeune, et la plupart des jeunes immigrés, ils étaient jeunes, ils étaient petits, quand ils sont venus ici. Bon, mais ils sont venus avec leurs parents. Et bon, et lui, il va aller peut-être au Maroc, mais comme il ne connaît personne ni rien du tout, à ce moment-là, qu'est-ce qui va y arriver ? Il va arriver, le problème, c'est qu'il ne peut pas, s'il ne trouve pas de travail, ni rien, ni à manger, ben, il est obligé de venir, même ici, voir sa famille ou des trucs comme ça. Donc il sera en clandestin, et là, ça serait encore pire. Sa vie est ici, de toute façon, il vit ici. Et la plupart des jeunes, bon, on a ouvert nos yeux ici. Ben, aujourd'hui, le lendemain, j'abandonne tout le monde. Bon, moi, je suis perdu. Je dois recommencer de nouveau, à zéro. Dans un pays que vous ne connaissez pratiquement plus. Bah,
Ben non. Ce sont les parents qui connaissent plus, mais pas les enfants. Oui. Et nous, je vous dis, nos grands-parents, ils sont morts et... Bon, maintenant, bon, on a vécu ici, on est habitué ici. Avant, on allait chez eux. Maintenant, quand on va dans une maison vide. J'en avais marre d'être technicien. Maintenant, je suis l'adjoint, son adjoint, et tu sais, on le regardait d'un trou d'air, un trou de bonhomme et tout. Mm-hmm. Ben, c'était un vrai avec les monsieur, ce sera Une eau gazeuse et un café, s'il vous plaît. Une eau gazeuse et un café. Écoute, Alain, moi, ça m'intéresse pas tellement. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Salut. Bonjour. Ah, Mustapha. Ça a été? Tu vois quelque chose? Un café. Oui, un café. Alors, ton copain? Ça a été l'avocat. C'est catastrophique, c'est l'avocat. Tiens. Comment catastrophique? Il vient de m'annoncer qu'il sera expulsé, en plus de sa condamnation. Et on peut rien faire? Je vais aller voir un comité de défense aux immigrés, c'est tout ce que je vois, quoi. Lundi à 9h sans faute, hein? Ok, ça va? Salut, hein? Et à l'avocat, tu lui as parlé de ta naturalisation? Tu crois que la cardinalité, ça va changer quelque chose? Ça va rien changer? Au point de vue de l'État, bon, d'accord, mais sinon, c'est tout. Au point de vue relation avec des gens, tu n'as rien. Rien. Et ça m'intéresse pas. Parce que je ne vis pas avec l'État, je vis avec les gens. C'est ça le problème, quoi. Et puis, écoute. Bon, ça va. Oh, je crois que c'est le meilleur truc qu'il y a à faire maintenant, c'est de se tailler, parce que j'ai une tête comme ça. J'ai vraiment une tête. On s'excuse, mais il faut comprendre. Bon. On y va? Silence! Attention! Wahed! Jos! Tlata! Thank you.
زيد يلا زيد ارفع Quoi pour l'enregistrement, il était super. C'était pas. Surtout le deuxième morceau pour le générique. Dites les gars, regardez-moi ça. Ça c'est Mustapha. Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller, que tu fais? Ah là, monsieur Bhanna d'abord. Et les autres? Les autres vont y aller pour Kamel. Bon, tu es sûr qu'ils viennent? Ouais, ouais. Mais moi, tu m'en vas pas au palais. Ok, alors tu t'arranges avec Mustapha. Moi, je te laisse parce que je suis pressée. Ok, je te laisse. Au revoir. Ouf, il était temps que vous arriviez parce que. Ouais, bon, qu'est-ce que vous avez cherché? On est sur le chemin. Je m'en il est pas là. Bon, elle est plus belle, c'est là. Vous avez tout. Non, on peut y aller. Kamel. Ce matin, j'étais à ton procès. Dans le fond de la salle. Je ne pigeais rien de ce qui se disait. Et j'ai toujours pas compris qu'on eût pu te condamner en 10 minutes. À la sortie du palais, avec Hassan et Jawad, nous avons pu poser des questions à ton père. C'était pas facile. ماشي لا قاصحة شوية لا تسمى الماء باش يروح المغرب يروح يموت وهذا ما كان عمره ما عرفش ما عرفش الغاشي ما عرف وين غادي يروح اللغة ما كيعرفش اللغة ما يعرفش اللغة ما يعرف لا والو والو قاصحة عليه شوية قاصحة ماشي لا قاصحة تسمى الموت وهذا ما كان غادي يروح للموت وهذا ما كان جا با مويا هو ما عرفش البلاد غادي تطلق واحد السبع نتاع الجار ده غادي تلقوه في القناق ما غاديش يتعلم يسيد حتى يكون كلاه الاخرين لا جزاك الله على هذا الشيء هذا وان شاء الله يكون نهار الخير مع كامل شحال كيس كيس دو بون كامل سوبر Bien. T'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui, hein? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce coup de téléphone de ta nana? Je devais passer au palais de justice ce matin, pour le film. Ce film encore? T'es encore en train de filmer, là? Ouais. Tu croyais que c'était un film rigolo et tu vas à la palais de justice? Ouais, mais au départ, c'était rigolo. Maintenant, plus? Non, mais maintenant, ça devient plus sérieux, hein. Parce qu'il y a un copain qui a des problèmes. Si tu fais encore un film, mais alors rigolo, tu peux compter sur moi, hein, comme je sais pas quoi. Casanova, par exemple. Hein? Je te verrais plutôt comme un flic, ouais. Moi? Comme flic? T'as... Allez. T'as la physionomie un peu. Morfa. Allez, Casanova travaille. Ouais. Elle a juste 64. 64. Je ne sais pas si tu as un travail. Non, j'ai un Nasser, j'ai. Ah. شكرا نصر ايوه سمعنا شغلكم سي كدير ديك الوقت هذاك يا سمعنا شغلكم سي كدير ملي جيتي انا كنت نخدم دوكير 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 مازال راني دوكير باقي الان دوكير ما باقي الان دوكير نعم والعيال كان جاو معاك ولا لا قعدت هنا عامين بعد رسلتهم رسلت الجواب جاو عندي ديك الساعة هادو كانوا هما في المغرب ايه كانوا في الجزائر وانا ما في المغرب ما عرفتش المغرب بزاف انا خرجت من المغرب صغير خرجت من الجزائر 34 انا كنت صغير ملي خرجت دخلت الجزائر وتزوجت في الجزائر هما كاع زايدين في الجزائر ما نعرفش المغرب انا ما ثاني انا مغربي ولكن ما نعرفش تسمى ما نعرفش البلاد بزاف اي داك من هجرت المغرب كنت صغير ايه كنت صغير و الدراري زعما الصغير اللي جانا هنا شحال كان عنده سنه صغير كان عنده عام ولا ما نعرف ما كملش شحال كان عنده كانوا عنده 3 سنين هم هذا في المغرب هذه الصورة في المغرب هنا في المغرب اش من موطع هذه في المغرب انا في جبل الاطلس وهنايا
ثاني في جبل أطلس هنا في جبل أطلس ثاني هو هاي اللي نتصور فلسطين لا غادي من فلسطين وين راه هذيك البلد عم ينحس عم ينحس هذا فلسطين مرجع هذا هادي في الحرب في فلسطين هذا هادي فرنسا فرنسا واه فرنسا لا في المغرب في المغرب المغرب هادي المغرب واه في المغرب D'un côté, moi, ça m'embête avec eux, tu sais. Bah oui, mais bon, quand tu leur as demandé de venir au palais de justice, ils l'ont fait. Ouais, mais ça, ils sont venus pour la bonne conscience. Bah moi, je crois que t'exagères. Hein. Je n'exagère pas, tu sais. Si, parce que pour une fois qu'ils essaient de faire quelque chose, t'es contre et t'arrêtes pas de les emmerder. Oui, justement, c'est ça le problème, c'est que je ne suis pas contre, tu vois, et qu'ils essayent de faire quelque chose. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Bah, je vais essayer de faire un montage et si c'est bien, on peut peut-être essayer de le passer à la télé. Essayer de passer à la télé. Ouais. Et tu crois que ces cons-là, enfin, je dirais pas les cons, mais tu crois qu'ils voudront de nous? Et c'est ça, moi, qui m'énerve. Tu crois qu'ils voudront attendre un type comme moi, un type comme Camelot, un type comme le truc? Mais ils n'ont rien à foutre. T'es tout le temps en train de râler, mon frère. Mais non, je ne râle pas. Mais je ne râle pas. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, je suis en bonne humeur, je danse même et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, salut, les petits gens. C'est la grande forme. Mais comme tu vois, bien sûr. T'oublies pas le couscous, hein? Ça va, je n'oublierai pas. Je m'énerve avec le couscous. Ah oui, il n'a pas fini de t'emmerder. Ben, travaille avec ça. Essaye de faire quelque chose, quand même. Ah bon, et puis bonne journée. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je t'attendais. Ouais. J'ai une lettre de Kamel pour toi. Une lettre. Alors, j'ai demandé à Marina d'essayer de faire un truc avec la cassette, puis montage. Bon, moi, je te laisse, j'ai rendez-vous avec une fille. Une fille? Oui, une assistante sociale. Ça l'a joué. J'ai un peu discuté. Ouais, salut. Ouais, amuse-toi bien avec la lettre. Hein. Comment ça va? Aujourd'hui, vendredi, 9h10 soir. Le gardien est passé pour la fermeture et pour nous dire bonne nuit. S'il savait où il pouvait mettre sa bonne nuit, je suis enfermé dans une pièce de 4 mètres sur 3. J'en ai marre. De tout et de rien. Je suis assis, je fume une cigarette et j'écris. J'écris quoi? J'en sais rien. En tout cas, tout ce qui se passe dans ma tête. J'écris sur tous les jours comme celui-ci. Et toi, mon grand, comment va le travail? Et ta nouvelle conquête? Passe le bonjour à l'équipe du film. Salut, Kamel. Tu es Moustapha? Dominique. Oui, salut. Qu'est-ce que tu viens faire avec ça? Bien, pour un magazine, je vais faire un reportage sur la rafle. Justement, ce jour-là, j'avais un copain qui s'était fait embarquer. Ah oui? Et c'est pour ça que tu m'as demandé non, de venir? Non, c'est pour autre chose. Ah, fait autre chose. Dis, tu veux pas qu'on aille boire un verre? Ah, je veux bien, mais seulement j'aimerais profiter encore qu'il y a du monde pour prendre les quelques photos. On fait assez vite, on y va. D'accord, okay, ça va. Pourquoi tu crois que les jeunes viennent ici? Bah, ils s'emmerdent dans leur quartier, et puis ici il fait beau, il y a les filles. Et puis il n'y a pas que ça. Puis, Quoi? Ne me dis pas que tu comptes les filles quand même? Non, non, je compte mes amis. Ah, les flics, ils sont là-bas. Bah, si tu veux, ouais, c'est ça. Nasser! Nasser! Vas-y! Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Ça
Le frère d'un copain, c'est toujours la même chose. Voilà, mais... Enfin, je te raconterai ça après. Quand tu m'as vu au studio, là, je t'ai appelé. Pourquoi t'as crié comme ça? Enfin, t'as foutu le camp. Moi, je te veux partir, j'étais avec des copains. Qu'est-ce que je fous d'autre? Mais écoute, pour... c'est pas possible, quoi. Ton frère, là, tu l'as souvent répété. Il t'a souvent dit, écoute, tu peux... Il t'a souvent dit de ne pas aller là-bas, de ne pas fréquenter les bandes, de ne pas faire tout ça. Et toi, tout ça, ça te passe par la tête et tu le fais quand même. Donc, c'est tout chaud dans le quartier. Il est mort, ce quartier. Mais je fais un sport maintenant. C'est pas possible de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous, vous ne vous rendez pas compte dans quel pétrin il est en train de se faire. Mais pourquoi tu l'as pris? Comment ça? Attention les filles, tout le temps, toi. Le matériel. Embarquez-moi ça. Des films touristiques. Oui, rôle de touriste. Jusqu'à lundi. D'accord, chef, à vos ordres. Silence. Mohamed. Ben Mohamed. C'est ça. Belge. Oui, belge. Naturalisé. Naturalisé. Fier de l'être. Mustapha Kadabi. Oui, c'est moi. Il me semble que j'ai déjà vu votre tête qui part. Vous ne trompez personne. Hein. Djawad Kadouri. Oui, c'est moi. Votre carte d'identité. Hassan Habib, oui. Je vous rends votre carte d'identité. Le matériel, je le garde jusqu'à lundi. Comment ça, vous le gardez jusqu'à lundi? Oui, je le garde jusqu'à lundi. Vous avez une autorisation communale? On n'a pas le droit de garder jusqu'à lundi ce matériel. On l'a eu à prêter du patron. Vous l'avez eu à prêter du patron. On fait un truc sur le jeune du quartier, on est à la fin et celui-là, on doit le terminer. Vous avez une... On doit le terminer. Vous avez une autorisation pour ce matériel? Quelle autorisation? Moi, je connais... une autorisation communale pour filmer. Vous avez des papiers? Ce matériel vous appartient? On a ce matériel, ce qu'elle a dit. On doit terminer ce film, c'est tout. Mais non, j'aurais des emmerdes avec mon patron. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? On n'a plus rien, on ne sait plus rien faire. Ils ont tout on le matériel. On va pas rester ici. Peut-être écrire, non? Ouais. À qui tu veux écrire? Au ministre? Allez, viens. Au pape? Zut. Ah, c'est mon nom. Génération. Silence, on tourne. Et qu'est-ce qu'on tourne? Hein, qu'est-ce qu'on tourne? Les mecs du quartier. Alors voilà, on vous montre le côté positif. Positif, hein, positif. Quoi positif? Quoi positif? Positif. Qu'est-ce qu'il y a positif? Toi, t'as fait quelque chose, peut-être? Ah, c'est qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'as fait quelque chose avec ta démarche?
T'as démarché l'avocat. T'as démarché... Comment ça, comité de protection des immigrés ou la défense des immigrés? T'en es où? T'es au point aussi, nous... Cas, moi, j'ai essayé. Moi, j'ai pas rêvé. Hein. Et nous, on n'a pas essayé. Nous, on est à cap dedans. On n'a pas essayé du début jusqu'à la fin. Nous aussi, on a essayé de faire un film et ça va passer, ce film. Ça, on doit le passer. En fait, j'ai oublié de vous dire ça. Hein. J'ai oublié. Hein. Marina, elle a présenté à la télé. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas voulu. Elles vont zéro. Tu fais garçon. C'est pas possible. C'est pas possible. Depuis le début qu'on est dedans, toi, on est tous dedans. Mais on va le passer. Mais y a pas que ça depuis le début. Passer, y a plus, encore autre chose. Quoi, ça va, on va pas le passer. Moi je m'arrête. On s'arrête plus. Non, j'en ai rien à foutre. On va le passer. On doit passer ce film. Il soit bien. Mais pirate le temps que tu aies ton film. Vas-y, va le pirater, hein. Bah ouais, on va le pirater justement. On va le pirater. Tu viens de donner l'idée. Et tu dois nous aider, ton Mustapha. Tu dois être là pour nous aider. Ou là, on va le pirater. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. C'est ça qu'il faut. Je ne laisse jamais la parole. Après, c'est parce qu'on va la prendre. Moi, si tu me plais. Et on l'a. C'est comme ça. Et on va le passer. Tu vois. Ok. Oh, de Dieu. On ira. Tiens, t'as entendu. Tu vas le faire. Attends, ami. Écoute, Loïc déconne encore de nouveau. Toujours la même chose. Toujours la même chose avec lui. Mais écoute, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Ça c'est sûr. Hein. Et je te demande qu'un bête truc, hein, un truc assez simple. Non, mais t'as rien à craindre pour ça, je te dis. Il nous suffit de le croquis seulement, ok? Mais écoute, moi, y a les copains qui m'attendent. Il faut absolument que j'aille. Hein. On a absolument besoin de ce croquis. Si on l'a pas, c'est foutu. Mais oui, tu es le seul élément qui nous manque. Enfin, c'est d'accord alors. جوج ثلاثة إذا ثبت لهم هنا يكون تونسيون ضوء في كاين ضوء إيسي راهي تي في تلفزيون إيسي سي لا ماشين أوكي هما غادي يدخلوا من هنا غادي يدخلوا فاسون هذيك الفوقا زعما كسرها تي في التلفزيون هذيك مزيان تا طوماتيريال تو وري سا سي بون سي عندك شوف بحال قلتو لي لوكس هنا يحب بلوك البلاستيك 3 كيلو ديناميت لا ندخلو تما اسمعني لا ندخلو تما اسمع علي كويو كوي Fais pas fou le camp d'ici, c'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'on fout ici? Ça veut qu'on a rien de relou. Et alors, c'est maintenant que vous arrivez? Écoute, ne te fâche pas, hein. Bon, écoute, avec les gardiens, c'est pas facile. Moi, je m'en vais. Hassan, il est au courant de tout. Et j'espère que ça ira parce que je tiens pas à me faire virer. Oh, écoute, te faire virer, ça va. Mais si ça tourne mal, ben tu sais, tu nous envoies des avances. Je t'envoie les avances. Okay. Ok. Allez, ciao. Bonjour. Merci, le prince. 10 cafés, s'il vous plaît. Si je m'étais donné à choisir, je renaîtrais bien au chat. Même coupé, voyez-vous. Thank you.
plein de monde, là. Allez, on y va. C'est le chef de service, son anniversaire aujourd'hui. Hein? Bonjour. C'est le chef de service, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il ouvre un fer à tout le monde. Oh, vous en voulez? Ça, c'est gentil. Merci, je veux bien. Merci. Merci. Ouais. Bonjour. Bonjour. Le chef de service offre un verre à tout le monde. Il part en pension. C'est bien. Vous en voulez, c'est du café. Ah oui, je veux bien, merci. Et je peux en avoir un deuxième pour tenter? Oui, oui, oui. Je vous lui dirai deux fois merci. Hein, ouais, ok. Au revoir. Salut. Salut. Encore 10 cafés, s'il vous plaît. Ça marche ici, hein? Nous allions visiter mes usines. Il avait faim, envie de pisser. Je fais arrêter la voiture. Ah, il a mort du balai, chef. Il s'épanouit tout à coup. Alors, ça va ici? Ouais, toujours. Ça boum que tu regardes comme film? Un policier. Ah, toujours la même connerie, hein? T'es du Maroc, toi? Ah oui, hein, moi, je suis de Tanger, hein? J'étais là-bas en vacances, Agadir, Marrakech, un circuit. Ah. Un café? Une petite pause? Merci, sympa, ça c'est gentil. Puis il y a le couscous là-bas. Du couscous? Moi, je te fais un waterzooi. Jamais vu. Jamais. Mieux qu'un belge. C'est encore à voir, hein? Encore à voir. Tu demandes ça à moi. Je suis le spécialiste de la cuisine. Carbonate flamande, tu sais faire ça? Bien sûr. Hein? Oui? Pas mieux que moi. Hein. Allez, merci pour ton café, hein, chef. De rien. Moi, je vais aller te faire baler et tout. Hein. C'est sympa, toi. Au revoir. Merci, le faux. Si, le faux. Faux. C'est bien faux. Bonjour. Oui, c'est pourquoi, oui. Le chef de service, elle pas passe aujourd'hui. Vous hein? Offrez un verre. Formidable. Hein? Et oui. C'est du quoi? C'est du café. Du café? Ah, du café. Ouais. Bon. Merci. Ok, merci. Allez, santé, allez. Ça s'appelle comment, le petit? André. André. Ah, André. Allez. Du sucre. Merci. Ouais, merci. Et la cuisine, ça va? Ça va bien. Bonjour. Allez. Allez, bonjour, au revoir. Au papa, Adi. Merci. T'as déjà vu ces castors? Non. Gentil, hein, dis. Ça va pas? Allez. Voilà.
كي يتخلصوا كوارت باش يدي كوارت ما عندهاش كوارت وما زادش في المغرب دابا دابا كمل غير دعموا له ديك الشهاده غير كيف كيف سي كيف كيف حتى هو غادي يروح مع عدوين وين غادي يروح مع عدوين يروح سينا دعموا له كمل اكسبيسيون قاصح ماشي لا قاصح تسمى الموت وهذا ما كان غادي يروح للموت وهذا ما كان سات جيطامو يا هو ما عرفش غادي يطلب واحد السبعه نتاع الجار ده غادي تلقوه في الخناق ما غاديش يتعلم يسيد حتى يكون كلاوه الاخرين هو ما عرفش كي غادي لا عندها لا فاميلي لا والو حتى تساير ليا يا سمعه سلتك Mm-hmm.